Salut à tous, c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Donc, récapitulatif de la dernière vidéo, donc c'était le début. On était avec notre meilleur ami Joey. Et on s'est fait attaquer en traître, en traître par l'ennemi parce que notre capitaine nous avait trahi. Et ben, on a dû sauter de haut d'une falaise, puis on s'est retrouvé justement chez des mercenaires alliés à l'ennemi, qui s'occupent bien de nous, hein. Et qui nous font faire des tâches de navire. Donc là, on devait chercher de la farine. Sauf que, petit problème. Il n'y a plus de farine, donc on va devoir aller à la ville voisine pour aller chercher la farine. Donc pardonnez-moi parce que la dernière fois, enfin la première vidéo, le jeu était légèrement ralenti en fait. À moins que ça soit là qu'il soit légèrement accéléré. En tout cas, c'est mieux. Voilà, donc on va se faire accompagner par Gengen et tout ça. Donc l'espèce de tous les hommes animaux comme ça, c'est des kobolds. Donc lui, rappelez-vous bien de la tête de Paul de dos. Enfin, du dos de Paul. C'est un Paul en fait, c'est comme le Paul en Paul, j'ai même pas remarqué. J'ai pas fait le rapprochement. Donc là, vous avez une petite engueulade. Engueulade. Allez go. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monstres hein, comme on a dit tout ça. Et là on arrive dans une ville. Mais écoutez bien la musique. Voilà, c'est vraiment la ville tranquille quoi. Vous remarquerez qu'il y a des persos comme elle ou E3. On voit tout de suite aux couleurs qui sont différentes des autres. J'en dis pas plus. Vous avez compris, c'est des persos importants. Pas importants. Qui servent pas à rien, quoi. Donc là on peut, hein, si on veut, on retourner acheter des armes, des armures, ici polir nos armes. Enfin pas acheter des armures. Les armes ne s'achètent pas, elles se polissent, donc pour... pas comme la police. Hein, mais... on pourra mettre des runes dessus aussi, enfin vous verrez plus tard. Il n'y a aucune arme qui est achetable en fait. Faut juste les améliorer quoi. Mais on peut les améliorer pas mal de fois. Et on n'a jamais trop d'argent dans le jeu, jamais, jamais. Que vu le nombre de persos, le nombre de trucs à acheter, voilà pourquoi je vous disais de vous rappeler de lui de dos, parce que regardez, il est quasiment comme les autres et des fois on le remarque pas. Donc là, bah, on a juste à faire ça pour continuer le jeu. Voilà, on s'occupe bien de nous hein, quand même. Hein. Pour un des prisonniers, pour un prisonnier, on est gâté.
N'importe quoi. Tiens, si tu veux, t'as des 40 barres aussi. Ah, toujours des tâches à la con, quoi. En plus, là, c'est des tâches dans tous les sens du terme. Bon, bah, allez, on doit étacher. Étacher. Pff. Ouais, ça se dit peut-être étacher, on a. On essuie les tâches. Toutes les tâches qu'il y a. Il suffit de les trouver, de les essuyer. C'est pour ça que j'avais dit que le début était chiant. Hein. C'est du grand n'importe quoi, ça sert à rien. Mais bon, c'est un peu pour nous. Voilà quoi. Nous familiariser avec un peu avec les persos. Enfin, découvrir de nouveaux persos et puis. Et puis rien du tout en fait, ça sert à rien. Mais c'est marrant. Bon, là, je crois que j'ai tout fait là. On va voir ça tout de suite. Elles sont toutes sur du bois, de toute façon, les tâches. Il y a des vues partout, là. Ah, merde. Ça doit pas être à cet état, là. J'ai dû en essuyer 5, il doit y en avoir 6. Peut-être, les flics, ouais. La peine ne plaît pas. Voilà, bon, c'est des mercenaires, mais qui n'aiment pas se battre. On préfère qu'il n'y ait pas de guerre en fait. Voilà. Ils sont trop cons. Le pigeon plein de graisse. Balance-le quelque part, tu sais. On se fait chier à tout nettoyer pour balancer le truc. Plein de graisse par terre après. Il dit ça, mais il paraît deux fois plus jeune que nous. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, je oui. Donc je vous rappelle, elle a sauté avec nous dans la rivière. Par contre, le jeu est ouais un petit défaut de Suikoden 2, mais c'est pas vraiment un défaut du jeu, mais un défaut de traduction quoi. Bon là, les phrases ça va, mais des fois il y a des petits trucs bizarres hein, qui veulent rien dire. J'ai fait exprès, hein. On peut pas s'enfuir. C'était juste pour voir ce que ça fait. C'est quand même bizarre. Logique.
On va pas rester prisonnier toute notre vie. Vous avez un sens de l'échapper? Oui. Bon bah si vous voulez, il y a une GameCube. Vous avez c'est quand même trois fois la même musique, mais à des rythmes différents. C'est comme comique, je sais pas. N'importe quoi, mais c'est pas des prisonniers, ça, c'est quoi? Ils bouffent mieux que les autres et tout, c'est n'importe quoi. Continue. Tu aimes le poulet? En soi, il y a un peu d'humour aussi dans le jeu. Il n'y a pas tant que ça en fait. Surtout au début. Quand je vous dis qu'il est intelligent, c'est pas pour déconner. Hein. Et bien plus que vous le croyez, vous allez voir, c'est vraiment un perso de... hyper intéressant. Je crois que dans tout le jeu, d'ailleurs, c'est le perso le plus... imprévisible. Vous allez voir qu'il va vous étonner. Là c'est rien ce qu'il fait là, écoutez ce qu'il va faire après rien. Je vous rappelle qu'il y a de l'huile sur le chiffon, hein, que vous trouvez assez bizarre. J'aurais dû mettre Freeze ou de Mister Freeze en fait. Et voilà. Pas mal quand même. Hein. Et on va rentrer à Kiro. On va faire une petite halte à la ville de Ryubei. Enfin au village. Ouais. Là il y a un espèce de cirque. Donc une espèce de carte. Une qui fait des numéros avec des couteaux. L'autre avec du feu. Ils ont tous la même taille, mais c'est pas grave. Colgan, jamais aimé sa tête, mais... C'est original comme perso, quand même. Hein. Vous avez déjà vu des... Comment on peut dire... des artistes de cirque dans RPG comme perso.
sais pas ce que ça fait si on met 20 poils sur la droite ou 20 poils sur la gauche. Allez, vous voulez que j'essaye? Ok. Je vais aller à droite. Trop con. Au moins ça abrège comme ça. On peut, bon, c'est juste une petite troupe comme ça, hein. Qui n'est ni avec nous, ni avec les ennemis. Ah non, il faudra aller au col de North Sparrow. C'est bien par monstre de bombe. Hein. Juste pour voir. N'importe quoi. Bon, je suis content. Alors, Bolgan, je crois qu'il peut attaquer plus corps à corps, si je ne me trompe pas. Elle lance des couteaux, donc. Quoi que, j'en ai. N'importe quoi en plus. Je confonds les touches parce que c'est bizarre, c'est carré pour le menu, triangle pour enlever. Enfin, Mais non, putain. N'importe quoi. Voilà, alors, Team Fang. Lui, voilà, c'est ça, c'est corps à corps. Pareil, c'est la finale, putain. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai mis dans le bon ordre. Donc là, on peut améliorer nos armes, nos armures, tout ça. Je serai un perso jouable aussi plus tard. Comment c'est cher? Je le ferai plus tard. Incrusté, c'est pour mettre des runes dans les armes, pour les améliorer. On le fera plus tard. Parce que c'est cher. On n'a pas de runes, de toute façon. Par contre, pour mettre les équipements, c'est merdique. Ouais, bon, on peut rien faire, quoi. Alors, attendez. Putain, je comprends tout le temps les touches. On a besoin de tous les trucs. Enfin, les remèdes, en fait, vous allez voir que les objets, on peut pas directement sélectionner un objet en combat et les lancer. On est obligé de mettre les objets en équipement, quoi, pour pouvoir les utiliser. Donc chaque perso a ses propres objets, quoi. Alors, on va quitter cet endroit. On va aller au col de North Sparrow. Voilà, bon, la partie chiante du jeu est passée, hein. Enfin, bien sûr, là, c'est pas l'éclate non plus. Comparé après, c'est nul, limite. Mais bon, c'est le plus chiant qu'on a passé. Vous allez voir, c'est excellent. Ah.
Sans commentaire. Bon bah sur ce, on va juste passer par là. Hop. Voilà. Et donc le col de Norsparrow, ça sera pour la vidéo numéro 3. Allez. Je vous laisse. Salut. Et pas de bêtises.